première fois que j'ai vu Maxence, je suis tombé par terre parce que c'était au cours d'un vrai entretien d'embauche. Et il s'est avéré ultra motivé, ultra souriant, ultra sympathique, drôle. Alors, on est dans le bureau du chef. Allez, tu ranges ça. MB et CB. Il m'a démontré que le handicap mental, c'était rien en fait. C'était juste une différence. J'ai eu un troisième enfant il y a un peu plus de 2 ans et il s'est avéré qu'on a appris après naissance sa trisomie. Et donc du coup, assez rapidement, moi je me suis intéressé au sujet de l'inclusion, par le sport. La démarche, c'était de créer une association qui a pour objectif de favoriser la pratique du sport pour tous les porteurs de trisomie 21. Et l'inclusion professionnelle par le biais du recrutement de Maxence. J'aime bien mon chef parce que il me donnait la motivation et sa foi pour me montrer qu'elle a envie de faire des nouvelles choses avec moi. C'est pas un leurre, c'est-à-dire que c'est un vrai enrichissement, personnel. Et puis je martèle toujours cela, c'est qu'il y a un vrai intérêt à son embauche. Il fait des tâches, des missions, les missions de Maxence comme on les appelle, qui sont utiles pour l'étude et pour l'entreprise. Chaque fois qu'on clôture les journées, on doit classer les reçus. Donc c'est Maxence qui nous les fait, donc ça nous permet nous d'avancer. Faire le courrier avec moi, faire du scan, faire de l'archivage, s'occuper de tout ce qui est approvisionnement des salles. Et puis on va très rapidement arriver sur de l'accueil client. On est vraiment collègues, donc je l'aide pour qu'il soit autonome au maximum. J'ai cette chance-là d'être en face de lui en plus. Donc de voir son évolution et de voir qu'il est heureux de travailler, heureux d'être là, c'est un vrai plaisir. La star, la vraie star, Boud. Maxence est un sacré personnage, toujours le sourire. Il amène son côté bonne humeur, premier degré, donc tout ce qu'il nous dit c'est brut et c'est bon à prendre. Ils sont vraiment très sympas, ils sont très gentils, mais je suis très émotionné par le fait de mes collègues qui m'ont si bien accueilli. Et comme je vous parle à l'instant, bah je risque de verser des larmes et que vivre une expérience dans une entreprise enrichissante, pour moi, c'est le plus important. Pour moi, ça participe d'une vraie prise de conscience des chefs d'entreprise pour donner la chance, montrer que tout est possible, communiquer et montrer que c'est des embauches utiles en fait pour l'entreprise. Coupé. La différence est une chance et elle le démontre pour mon entreprise.